Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon dernier dessin que j'ai fait en avance rapide. Je pense que beaucoup d'entre vous auront reconnu la référence, et si jamais il y en a qui ne connaissent pas, je me suis tout simplement inspirée du film d'animation japonais Le Voyage de Chihiro, à voir absolument si vous aimez le genre. Attention, il n'est pas à montrer aux plus jeunes, car assez glauque et un peu violent, donc à éviter avant 10-12 ans je pense. Si vous me suivez déjà, vous avez certainement remarqué que j'ai changé de logiciel dans mes dernières vidéos. Non pas que je n'aime plus Sketchbook Pro, mais en ce moment je dessine avec Clip Studio Pen pour deux raisons. La première, c'est que j'ai la possibilité d'afficher deux fenêtres pour le même dessin. De cette façon, je peux laisser une fenêtre avec mon dessin en grand, alors que je dessine sur l'autre fenêtre. Ce qui est beaucoup plus agréable visuellement pour les personnes qui regardent mes vidéos. La deuxième raison, c'est que Clip Studio Paint est plus complet, avec des fonctions qui facilitent le travail, surtout au niveau des calques. Je dessine avec depuis peu de temps, donc je suis très loin de le maîtriser correctement, mais passé l'interface qui est beaucoup moins intuitive que celle de Sketchbook Pro, c'est un logiciel très qualitatif. Pour mes prochaines vidéos, je vais encore changer de logiciel, parce que j'ai économisé pour m'acheter un iPad, et du coup je vais avoir la possibilité de dessiner avec l'application Procreate. D'ailleurs ça tombe assez bien parce que j'ai des soucis avec ma tablette actuelle, et du coup je vais devoir la renvoyer au service technique. Pour mes deux dernières vidéos, je n'avais pas fait de commentaires parce que je n'avais pas assez de choses à dire dessus. Mais pour celle-là, je me suis dit que c'était l'occasion d'aborder un sujet qui me semble très important, le dessin et la copie. Alors j'aborde ce sujet aujourd'hui tout simplement parce que ce dessin est une copie d'une des scènes du film Le Voyage de Chihiro. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule façon de recopier. De plus, recopier un dessin qui existe déjà ou recopier d'après nature, c'est complètement différent et ça ne demande pas du tout le même niveau de compétence. Quand on recopie un dessin, tout le travail d'interprétation a déjà été fait. Et tous les traits, les ombres, les lumières sont déjà transposés en deux dimensions, ce qui facilite énormément les choses. Recopier d'après nature ou d'après photo, c'est beaucoup plus complexe, car c'est à vous de faire ce travail de transposition. Cela demande une très bonne visualisation en 3D de ce que vous dessinez. Raison pour laquelle dessiner d'après nature est un excellent exercice pour progresser. Ce qui rend le dessin compliqué de manière générale, c'est cette étape de transposition justement. Ce que vous voyez est en 3 dimensions, alors que votre feuille, elle, est en 2 dimensions. Ce changement peut rendre vos dessins très plats et c'est là qu'il est important de visualiser les volumes de ce que vous recopiez. De plus, dans la vraie vie, il n'y a pas de contour. Ce sont les ombres, les lumières et surtout les changements de teintes qui donnent cette illusion. Je ne vais pas plus approfondir cet aspect car il ne concerne pas le dessin que je suis en train de faire. Je reviendrai sûrement dessus dans une autre vidéo. Je vais plutôt me concentrer sur la copie d'une image qui existe déjà, ce qui est mon cas ici, vu que j'utilise comme référence une scène du film. À partir de cette simple image, il y a trois façons différentes de recopier. La première méthode est de recopier simplement trait pour trait ce que l'on voit. C'est une méthode la plupart du temps utilisée par des débutants, et moi aussi, j'ai fait de cette façon pendant de très nombreuses années. Cette première approche est effectivement intéressante quand on débute, car cela permet de prendre confiance en ses traits, et de commencer à construire ses dessins. Ainsi, on devient de plus en plus à l'aise, et on a une copie de plus en plus juste et précise avec le temps. Malheureusement, cette façon de faire reste très limitée. Vous allez très certainement rentrer dans une routine et assez vite stagner sans vraiment comprendre pourquoi. Sur internet, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir des gens demander de l'aide car ils stagnent en dessin depuis des années. Et c'est peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode et n'ont pas passé le stade de la simple copie. La deuxième façon de faire, c'est ce que j'appelle la copie intelligente. Le but n'est plus de recopier bêtement, mais d'essayer de comprendre les traits que vous allez faire. Il faut analyser les traits, mais également les ombres et les lumières, et se demander pourquoi cela a été fait ainsi et non pas autrement. Il faut essayer de s'approprier le dessin pour réfléchir cette fois en sens inverse, c'est-à-dire passer de la 2D à la 3D. Imaginez à quoi pourrait ressembler le dessin s'il était en volume. L'image dont je me suis inspirée est un exemple très intéressant, car celle-ci est extrêmement simplifiée. C'est d'ailleurs souvent la caractéristique des films d'animation japonais ou des animes. Utilisez le minimum de traits tout en gardant assez pour donner du volume. Cela se réduit souvent à la couleur de base et des ombres qui sont souvent très nettes et très marquées. Parfois il y a une teinte pour les parties illuminées mais ce n'est pas toujours le cas. On peut également noter la quasi-absence de dégradé. Ce qui fait le génie de ces œuvres, c'est que d'apparence très simple, on a quand même cette impression de relief car la position des ombres est extrêmement bien réfléchie et n'est jamais faite au hasard. Du coup, avec ce genre de dessin, il est très intéressant d'analyser la position des ombres pour se rendre compte des différents volumes. Une ombre, selon sa position et sa courbure, peut tout changer à l'interprétation en 3D d'un dessin. Et c'est ça qu'il est important de noter et d'essayer de comprendre lorsque vous recopiez un dessin.
Il faut savoir que les artistes professionnels ne font généralement jamais rien au hasard et qu'il est donc très intéressant d'analyser leurs œuvres. Pourquoi un trait est courbé dans ce sens plutôt que l'autre? Pourquoi l'ombre prend cette forme-là? Pourquoi la lumière est placée à ce niveau? Il y a énormément de choses à analyser et le simple fait de recopier intelligemment pourra vous apporter beaucoup et vous aider à progresser efficacement. Alors la troisième façon de faire, c'est d'interpréter une image et c'est exactement ce que je suis en train de faire pour ce dessin. Je n'ai pas recopié trait pour trait ce que je voyais, mais je me suis servi de l'image comme base et j'ai redessiné la scène dans mon style, donc à ma façon. En gros, je m'approprie l'image pour la remodeler. Dans les vidéos précédentes, j'avais proposé des dessins que j'ai faits dans un style, par exemple d'un jeu vidéo, mais ici, c'est exactement l'inverse. Alors certains d'entre vous pourront penser que cela correspond à du dessin d'inspiration, mais ce n'est pas du tout le cas. Cela reste de la copie à laquelle j'ai juste rajouté ma touche personnelle. Alors que le dessin d'inspiration, ça consiste à reprendre des idées pour créer un tout nouveau dessin, ce qui n'est pas le cas ici. Réinterpréter un dessin est un exercice très intéressant pour essayer de donner une direction à son style artistique. L'idée, c'est de garder l'image et de se demander ce que vous auriez fait différemment, ce qui vous plaît ou au contraire ce qui vous déplaît dans ce style. Par exemple, pour ma part, je n'apprécie pas trop les contours en noir que je trouve trop marqués. Du coup, dans mon interprétation, ceux-ci sont colorisés. Je dessine également des ombres moins marquées. J'ai également dessiné les cheveux de Chihiro plus souples et j'ai rajouté de la lumière dessus. Enfin bref, il y a énormément de façons de faire pour réinterpréter un dessin. En conclusion, recopier un dessin trait pour trait, ça vous amène à être dans un état plutôt passif et sans réflexion et à recopier bêtement un peu comme le ferait une photocopieuse. C'est bien pour débuter, mais on se retrouve très vite limité. De plus, cela peut donner l'illusion de savoir très bien dessiner alors que vous en êtes simplement à la première étape de progression. C'est un peu comme un pianiste débutant qui est capable de jouer la lettre à Elise et qui du coup pense être un bon musicien. Apprendre à recopier intelligemment, c'est premièrement apprendre à visualiser les choses en 2D et en 3D. Deuxièmement, c'est essayer de comprendre la signification de chaque trait afin de sortir de la copie basique. C'est prendre du recul sur soi-même et réfléchir au-delà de ce que vous avez sous les yeux. Cette étape est primordiale pour ensuite réinterpréter les choses. Dans cette vidéo, j'ai parlé principalement de la copie, mais le dessin va bien au-delà de cela. Là encore, la copie, même en réinterprétant une image, reste de la copie. L'étape suivante reste le dessin d'inspiration, c'est-à-dire reprendre les éléments qui nous semblent intéressants dans une image, pour les modifier et créer une nouvelle œuvre qui s'éloigne des références qu'on a pu utiliser. Et l'étape ultime est bien évidemment le dessin d'imagination. Un artiste qui atteint ce stade-là est capable de dessiner aussi bien avec un modèle que sans, et même si cela n'en a pas l'air, le fossé entre les deux est immense. Pour terminer cette vidéo, je voudrais également revenir sur un point important pour les personnes qui dessinent par loisir. Je parle énormément de progression, aussi bien ici que dans mes autres vidéos, mais avant tout, il est important de prendre du plaisir à dessiner. Aimer ce que l'on fait, c'est le premier pas vers l'évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou vous abonner. Sinon, vous pouvez trouver mes autres dessins sur ma page Facebook ou Instagram dans la description. Encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et à très bientôt.